C'est un peu bizarre parce que quand elle a essayé. On a essayé tout à l'heure, ça marchait parfaitement bien. Nickel. C'est bien qu'il y a un truc qui va pas. On va faire un spirit dans la truc. Moi je te suis, je suis là. Enregistre là-bas et si on entend des chuchotements, ça va pas le faire. Je vais pas plus loin que le 4. Le 4 clignote et il revient en 3. C'est pas normal qu'ils se mettent sur le 3 direct. Alors mon gars, moi ça éclaire comme si j'étais en plein jour. Hein. Moi donc. Ah non mais moi vraiment la lumière comme si c'était le jour. Bah, temps, alors ça, a priori. Ça a priori c'était une ancienne cheminée. Ouais. Donc il y avait quand même quelque chose ici, il y avait quand même une cheminée ici. Hein. Ouais, donc s'il y avait une cheminée, c'est que c'était un refuge ou quelqu'un qui habitait forcément. Ouais. Après, ils disent aussi que c'était un refuge pour ceux qui allaient au palais pas. Et moi je le trouve vachement bien quand même. Ouais, ouais, moi aussi. Perso, je me sens pas particulièrement mal ici. Bah, moi non plus, finalement, tu vois. Tu vois, moi quand je lis, vas-y, éclaire-moi les messages, tout ça sur le bord. Tu vois, moi quand je lis tous ces messages-là, c'est vrai que moi je ressens pas tout ce qui est esprit, tout ça. Mais c'est vrai que de par la physionomie du lieu et de tout ce qu'on peut voir sur les murs et tout, on peut ressentir comme quelque chose qui s'est passé ici. Après, c'est malsain ou pas, je sais pas. Peut-être que toi tu peux m'en dire plus, peut-être que tu ressens plus que moi, peut-être, je sais pas. Franchement, ouais, je peux te le dire, c'est presque malsain, tu vois, c'est une douleur malsaine. Tu le sens qu'il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé ici. Ah, tu penses qu'il y a eu des douleurs physiques en fait? Ouais, morale, ouais. Physique, ça se sent que c'est pas bon, tu vois. Ouais. Après, enfin, peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être pas, on sait pas. Il y a une flèche. Je l'avais pas capté. Mais la petite patine. À quel endroit la flèche là-haut? T'entends pas. Là, bah. Ouais, ça suit. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est celui-là là. La flèche, regarde, elle fait là. Il y a une autre flèche. Ah ouais, effectivement, ouais. La flèche ici là, cet endroit-là là. Ouais. Ouais. Tu vois, elle demande presque qu'on lui réponde, regarde. Laissez-moi. Ah ouais, carrément, gars, c'est chaud. Hop. Laissez-moi. Un petit mot avec une flèche ici. Ah, c'est bizarre, on dirait quelqu'un qui demande un secours, on appelle à l'aide et tout, tu vois. C'est assez chelou. On continue la flèche ici ou pas? Attention les gars, poussez-vous, je passe. Oula. Bon. Plus de soucis. T'en penses quoi, t'as le flot de ce lieu? C'est bizarre, hein? Il y a eu ça, des sacrés trucs ici. T'as vu un trou là? Putain. Ouais. Il y a un trou dans le mur ici là. Ouais. Bon, ça après, c'est rien. Il y en a un autre. Ouais, il y en a un là ici aussi. Ouais. Ça, c'est des coups avec un bâton ou du canon comme ça. Là, il y a des coups. Ok, je suis ici pour essayer d'établir un lien avec vous. Donc si quelqu'un est décédé ou a subi des malheurs ou des sévices, essayez de manifester votre présence par un coup, par un toucher ou par une voix à l'aide du petit appareil qui se trouve à côté du petit appareil. Il n'y a pas un brin devant. Ouais, alors qu'il y en avait un petit peu il y a quelques secondes. Devant, il y en a, devant, il y en a. Mais ici, il n'y en a pas. Ouais. S'il y a quelqu'un avec nous,
peut s'approcher de ces appareils qui sont juste à côté de moi, qui sont posés. Ils sont là pour vous, pour montrer que vous êtes là. Vous pouvez essayer de parler dans la petite lumière rouge qui est juste là, que je montre avec ma torche. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous ? Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom ? Vous avez chuchoté, les gars ? Sûr ? J'aime pas trop ce nom. Vous avez chuchoté ou pas ? Aucun de vous chuchote, hein ? Pourquoi tu montres là-bas ? Je crois que c'est la lumière de ta lampe, mais il y a un truc là-bas. Ouais, mais attends, j'espère que c'est ta lumière en fait. Ouais, ça se peut, c'est la lumière à Nico. Nico, il se met devant la torche aussi, donc forcément. On reprend, les gars. Est-ce que vous pouvez essayer d'allumer cet appareil que je montre là, en vous approchant de cet appareil ? Malheureusement, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, mais avec les appareils qu'on a, on peut vous capter. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont là exprès pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes ici ? Ce que nous allons faire, nous allons laisser nos appareils. On va sortir. Et si vous voulez parler ou vous montrer sur un de nos appareils, on a une caméra qui est juste là, quelque chose qui peut capter votre image. Et une autre dans la pièce qui est juste à côté. Et une autre qu'on est en train de brancher. Pourquoi ? C'est pour éloigner les mauvais esprits. Ouais, mais justement, on va leur parler. Tu veux parler à... Non, je peux pisser si tu veux. Putain, les mecs sont trop prévoyants, quoi. T'as pas le malin à ta caméra, ça peut t'éblouir aussi, tu sais. Nous avons un nouvel appareil que je tiens dans les mains. Il peut permettre de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom ?
Est-ce que vous pouvez répéter plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes ici? J'ai entendu le deux. J'ai entendu deux gars. Là, sur la tête de ma nage, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez répéter le nombre que vous êtes ici? J'ai entendu le premier. C'est des chiens qui attaquent la radio. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire vos deux prénoms? T'as entendu, on est deux? J'ai entendu le truc, les gars, c'est pas ici à le dire. Le truc qu'on peut interpréter, les trucs.